À vue d'œil, elles se ressemblent toutes. Et pourtant, avant de prendre leur couleur d'été, vos lunettes ne ressemblaient pas du tout à ça. On va partir de ce que l'on appelle un semi-fini, hein, qui est cette pièce de plastique, que l'on va venir tailler sur la face concave. 95 ou 98% des verres maintenant sont en plastique. On parle toujours de verre, de lunettes. Ce n'est plus du verre, c'est du plastique. Taillés, affinés, polis, ces blocs de plastique vont passer dans ces différentes machines et progressivement, ils vont prendre forme. Eh bien, voici notre verre terminé. Entre le semi fini et notre verre terminé, c'est écoulé 2h30 pour le tailler. Nous voici donc avec un verre blanc taillé. Sauf que voilà, nous sommes venus pour des lunettes de soleil. Alors à quel moment ce verre blanc devient-il un verre solaire? Eh bien, c'est Liliane qui a la réponse. Je prends mes paniers où j'ai mis mes verres et je les plonge dans mes bains à la couleur qui correspond. Je les trempe dans le bain brun, puisque les clients demandent des verres bruns, et je les trempe pendant 30 minutes. À peine sortis de ces bains chauffés à 95 degrés, les verres sont plongés dans l'eau glacée pour fixer la couleur. C'est ensuite un contrôle visuel qui va décider de leur sort. Là, je vois qu'il y en a un qui est beaucoup plus foncé que l'autre. Celui-là, je vais le retourner et je vais le retremper dans le bain. Autre étape essentielle pour protéger vos yeux, l'application de filtre UV. Au moment où les verres sont trempés, on a un bain spécifique pour justement tremper les verres et avoir un bain anti-UV. Donc on va déposer une fine couche sur le verre qui va laisser ce traitement anti-UV. C'est donc ici que sont stockés tous les verres qui sont fabriqués dans cette usine. En pleine période estivale, c'est véritablement le boom. Ce sont 1000 verres solaires qui sont fabriqués chaque jour et plus de 6000 qui sont expédiés dans toute la France. Livrés chez votre opticien, ces verres seront de nouveau taillés pour s'adapter à la forme de votre monture. Monture de couleur si vous voulez être à la mode cet été. Il y a une énorme tendance en fait pour le. Il y a un retour de la couleur, ce qui est quand même assez agréable. C'est un peu moins triste que les lunettes toutes noires sans cesse. Donc il y a beaucoup de jeux de couleurs, de jeux de dégradés, de miroirs qui sont déposés sur les verres. Budget moyen pour une paire de solaires, 100 euros. Vous pouvez désormais acheter les yeux fermés ou presque. C'est lunettes de femme, c'est sympa.